Salut à tous, on fait le petit point crypto vu les mouvements de ces derniers jours. Alors, si on attaque sur ADA, ADA qui pompe bien au niveau des pourcentages, mais au niveau du prix qui montre pour l'instant pas forcément grand-chose, je pense qu'on peut appeler potentiellement, enfin même pas d'ailleurs, la vague B ici, on voit bien que... Oh. On a cassé ce sentiment RSI ici, mais si on se retourne sous peu... On pourra tracer notre trendline sans aucun souci. Donc pour ADA, à l'heure actuelle, il n'y a aucune confirmation. Bien sûr, s'il se met à suivre ses petits copains, bah, il va y en avoir un peu plus. Pour mémoire, voilà ce qui était anticipé la dernière fois. Voilà, on a fait un B. Et la prochaine zone de réaction du prix est attendue par ici. D'accord? Et on sait que cette zone, bah, elle vient frôler le niveau, le point pivot ici. Et si on le casse, dans ce cas-là, on projettera. Haussier, on achètera bien B qui est ici, enfin on pourra mettre B ici, et donc dans ce cas-là, on projettera la totalité du cycle A sur le cycle B, du fait du caractère pour l'instant en mouvement correctif de la du mouvement du prix. Voilà, donc ADA, pas grand-chose de nouveau, et bien sûr, arrivé dans cette zone, si on se retourne, on reste à la merci d'une double correction, ce qui amènera le B un peu plus bas. Mais on n'en est pas là, et vu comment les autres cryptos poussent, il y a des chances que ADA se mettent à suivre aussi. Si on regarde le Bitcoin Cash en daily, vous voyez, hein, le RSI il pousse. Hop, on avait bien une cassure du sentiment. Oh, pourquoi c'est en double? On avait bien ici, hein, ce que je vous rappelle, une cassure du sentiment là, hop, sur le RSI, ce qui me fait plutôt dire que ce cycle en 3 est terminé ici. On a trouvé un X qui est donc affirmé d'après ce compte-là à l'heure actuelle. Et bien sûr, il y a toujours la possibilité, c'est ce que vous voyez de A, B, C, D, E, de diagonale, hein, de leading diagonale A, B, C, D et E. Donc, ça, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de moyens de choisir entre W, X, Y et A, B, C, D, E à l'heure actuelle. Si on pump hard et qu'on vient chercher ces zones-là, ça fera plutôt WXY que ABCDE. Je vous rappelle que cette zone-là, la bleue ici, est la projection du W sur le X. D'accord? On peut bien confirmer que le X est ici, d'accord? Ou le D, en tout cas. Je vous rappelle que là, le compte violet et le compte bleu sont deux comptes concurrents. D'accord? Dans le sens où là, on a bien ABC. Donc il fait W et le D est dans l'hypothèse où on fait ABCDE pour une diagonale, d'accord? La diagonale j'y crois et j'y crois pas, dans le sens où quand on voit ce qu'a fait Bitcoin, si on se dit que les autres vont suivre, ça devrait pousser plus fort que ça, et dans ce cas-là, ça fera plutôt un mouvement en WXY. Ok? À voir de toute façon comment va se comporter le RSI. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, il y a bien une divergence au niveau du RSI. On est loin encore d'avoir dans les bougies daily là, d'avoir la fin du mouvement. Si bien sûr ça s'arrête ici et qu'on se met à retomber, mais dans ce cas-là, ça sera plutôt ABCDE avec un E qui est ici. D'accord? Qui sera par là. Mais à l'heure actuelle, ça change pas grand-chose au niveau du trading. Comment je pourrais lui mettre? Voilà, on va le mettre en italique. Voilà. Il est. Voilà, celui-là aussi. Voilà, en italique, c'est le compte possible alternatif. Si on passe sur le 4 heures, donc on est à l'achat depuis la case verte, d'accord, sur une très belle correction en 3, WXY, magnifique, décolle d'ailleurs. Et là, il y a plusieurs comptes possibles sur le comment il s'appelle, le Bitcoin Cash, où on compte 1, 2. On est en train de faire une 3, 4, 5. On fait un mouvement en 5, ce qui appellerait une A, d'accord? Puis une B, puis une C, d'accord? Ou. Oui, bah non, d'ailleurs. Ah, attendez. Oui, bah voilà, c'est ce que je suis en train d'appeler là. Sauf que là, on a 1, 2, 3, 4, 5 comme ça. Sauf que, à mon avis. Il y a moyen de pousser un petit peu encore dans les sous-degrés. Ah ouais, bon la 3 a presque atteint 1,618. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a peut-être moyen qu'on fasse ça en fait. Voilà. Qu'on décale tout d'un petit degré. Et que tout ça soit la vague 3. Parce que là, on voit bien 1, 2, 3, 4, 5.
Je pense d'ailleurs que c'est ça qu'il faut privilégier. On va voir comment se comporte cette résistance RSI oblique là. Si on pousse encore le prix, qu'on vient échouer, ça fera double, enfin, triple point de divergence, ce qui fait souvent 3, 4, 5. Ce qui fait souvent sous 3, sous 4, sous 5, 4, 5. D'accord? C'est l'enchaînement assez typique. Okay? Donc, à mon avis, on peut pousser un peu. Quand on aura fini cette vague, ce mouvement en 5, on appellera une A dans ce cas-là. Parce que là, si on s'arrête ici et qu'on tombe, on peut très bien appeler un mouvement en 3 ici. Du style A, B, C, fini. D'accord? Ce qui amènerait le E, notre E comme ça là. Et vous voyez qu'en plus c'est pas loin de la trend line. Hein. D'accord? Donc ce serait bien qu'on pousse encore là, à la rigueur qu'on corrige un peu, qu'on repousse. En tout cas, on reste à la merci du coup de ce compte en diagonale, alors qui est reste un compte boule dans l'absolu, ce qui veut juste dire qu'on retracerait à partir des points qu'il y a bientôt. On voit que là pour l'instant on a cassé 1.618 d'extension. Ben non d'ailleurs, pourquoi? Attendez, petite vérification. Oui, si, on a cassé 1.618 d'extension. De pas beaucoup. Donc, on pourrait avoir fini un ABC et se retourner. Ou alors, on pousse un 2, 3, 4, 5 pour faire un A rouge. Et on aurait, dans ce cas-là, un B rouge et un C rouge. Et on pousserait le compte, ce qui privilégierait plutôt un WXY magenta. D'accord? Je vous le remets, voilà, de ce compte-là. Okay, donc, là, il est un peu à cheval. Hein, donc. En tout cas, il ne faut surtout pas acheter de Bitcoin Cash maintenant. Là, vous achetez sous résistance, d'accord? Il y a eu des profits qui ont été pris dans cette montée ici. Maintenant, bon, personnellement, je vais garder un petit bout pour aller viser éventuellement cette target-là, quitte à me faire stopper sur entrée, ou je vais peut-être remonter le stop ici, même si ça ne fait pas vraiment sens. C'est-à-dire, on a acheté quasiment le bottom, il vaut mieux mettre le stop à zéro. Prendre un peu de profit sur ça qui restait la target numéro 1 et voir si on peut jouer la target numéro 2 ou se faire stopper. De toute façon, si on voit que si on décroche sévère ici là pour retomber en dessous de ça, je pense que je sortirai manuellement. Mais l'idée est là, si vous voulez. Où on a fini un mouvement en 3, vous voyez, hein, là on est monté en 3, A, B, C. D'accord? Donc là on peut très bien faire une vague 5, A, B, C. Pour faire, faut finir la diagonale. Ou alors. Du coup, je radote, on dirait un vieux. Ou alors, on a fait WXY. Pourquoi on ne les voit pas en H4, les comptes? Voilà, en H4, on comprendra mieux. Voilà. Ou alors, on a fait ABC bleu, qui amène au W. On a fait WXY rouge, qui amène à X à magenta. Et on part faire ABC. De nouveau pour faire le Y magenta. D'accord? C'est tout à fait possible. Ou alors on se retourne très vite là, sous peu, pour faire le scénario diagonale ABCDE. Bleu. Voilà. Le Bitcoin, sa majesté, sa majesté. Sa majesté, elle en est où? Ben, elle pousse, hein. Qu'est-ce que c'est ça? Elle pousse, du coup on est obligé de pousser le compte hein, quand ça pousse comme ça. Donc une vague 2, hop, comme ça, une vague 2, puis on pousse 1, 2, 3, 4, 5. Et donc à mon avis, on n'a toujours pas trouvé la vague 3 bleue. D'accord. On est en train de diverger en H4, c'est-à-dire on est en train de respecter le top RSI qu'on a ici. Vous allez me dire, il est à 90, donc à un moment, il va quand même falloir que le RSI arrête de monter. On est en train de respecter le top RSI qui est ici. Donc à voir hein, si on le maintient. Si on le maintient en créant une divergence, on pourra appeler à mon avis la fin de la 3. Si on passe sur le 1 heure, voilà, à mon avis, on est sur quelque chose de ce type-là. On a trouvé probablement une 3 ici, la 4. Et là on pousse dans la 5. Et si on passe sur le 5 minutes, on pourrait avoir une vague 1 ici. 1, 2, 3. Alors là, là, le degré se discute. C'est toujours pareil. Les impulsions, c'est le plus dur. Hein. Tout le monde pense que c'est le plus facile. Mais c'est le plus dur. Hein, parce que les degrés peuvent se mélanger. Là, on a très bien pu faire ça. Ok. Et si on vient casser le plus haut ici,
C'est là où on pourrait se dire, ok, on a fini le mouvement. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, cassure de la trendline RSI. Là, boum. Correction en 3. Et on pourrait dire, voilà, c'est fini. Sauf que là, vous voyez, hein, il a l'air chaud encore le Bitcoin. S'il vient casser le plus haut ici, on ne peut pas avoir notre 5 qui est là. Donc, il faut tout décaler. Hop, comme ça. Voilà. Et en fait, la divergence qu'il y a ici, c'est cette vague-là. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est le compte qui me paraît le plus probable. Et ce décrochage-là dans la nuit, c'est la 4 bleue, la 4 violette. Ok. Donc, on devrait pousser encore sur le Bitcoin aujourd'hui. Enfin, bon, là, on est en train déjà. Hein. Déjà. Je vous rappelle, hein, si là, si vous achetez des Bitcoins maintenant, bah, vous achetez près d'un top. Hein. Donc, après, vous faites ce que vous voulez, mais ça reste pas une stratégie très rentable long terme. Acheter sous des tops, ça peut marcher une ou deux fois où on va FOMO derrière, mais bon, vous voyez, hein, ça nous donne une target qui va entre 8002 et 8008, sachant qu'on est déjà à l'heure actuelle dans la case bleue qui est la target daily potentielle. Alors, c'est une grosse zone, hein. Elle va jusqu'à 9100, hein, donc ça peut pousser, mais voilà, on commence à avoir des confluences de data ici donc. Moi, il y a quelque chose que je vais observer avec beaucoup d'intérêt, la réalisation d'une divergence H4 qui va se cumuler avec une divergence H1 entre ce niveau et le prochain pump qu'on va faire là, ici, qui va se cumuler avec une divergence 15 minutes. Hier, on a eu ce pattern qui s'est fait. Sur ce sommet-là, on avait H4, H1, 15 minutes. Pouf, on a fait ça dans la nuit. Force est de constater que c'est énorme rachat sur la mèche, donc le Bitcoin extrêmement soutenu. Et on pousse, donc du coup, il y a des chances qu'on continue. Et je vais surveiller si on arrive à maintenir des divergences sur tous ces sommets. Et la divergence cumulée dans cette zone-là fera probablement appeler la fin de la grosse vague 3 ici. Ok. Est-ce qu'il faut shorter ça? Ouais, si vous voulez, ouais. Bah après, vous mettez le stop où? C'est le problème de l'impulsion. Hein. Le problème de l'impulsion, c'est vraiment. Tout le monde pense que c'est le plus facile à trader. Ça fait partie quand même des choses les plus dures à trader. Les corrections sont beaucoup plus simples. Vous voyez une divergence là. Ou, bah, par exemple, hier. Hier, c'était très bien. On voyait une divergence ici, là. Vous voyez la divergence là entre ce sommet et ce sommet? Tac, tac. On l'a en H4. Alors, petite en H4, et on l'a très bien en 15 minutes. Moi, hier soir, hein, j'ai dit, putain, j'ai envie de shorter le Bitcoin. Le problème, c'est que je mets mon stop où? Alors, je le mets juste au-dessus ici, mais je mets mon TP où? Il faut considérer qu'on va retracer tout ce cycle ici. Donc, je mets un TP au moins de 50% de cette baisse ici. Bon, ben, vous voyez hein, ce qu'on fait. On descend, on est racheté, on repart et on va recréer des divergences. Donc, le problème de la divergence, c'est ça. Hein, c'est que vous pouvez sauter d'un niveau, surtout quand vous faites une extension comme ça. Donc, rappelez-vous, hein, on short jamais une extension. C'est comme ça qu'on se fait requête. Ou alors, on attend au moins une double divergence après une extension. Autrement, ça ne sert à rien. Le dash il fait plaisir, on est à l'achat depuis la case verte et il pousse. Donc le dash, je vous rappelle en daily, je suis parti sur 1, 2, 3, 4, 5, d'accord. Et ben, on cherche 5 qui a une petite target dans la zone ici, d'accord. Donc rachat très sympathique dans la case verte ici. Avec un achat qui est sécurisé, d'accord, dans le sens où on a atteint 100% d'extension de la montée de 1, donc il y a un TP partiel qui a été pris ici, et maintenant on va viser la case ici, les 151. Et vous voyez que ça pousse, ça pousse, ça pousse, donc c'est parfait, c'est vraiment parfait. À mon avis, on risque d'aller plus haut que ça, dans le sens où vous voyez, hein, on a le sous-compte rouge, je ne sais pas comment faire pour que ce soit assez lisible, voilà. On a une 1 rouge qui s'est faite ici. Nous, on a racheté la 2 rouge. D'accord? Et ensuite, on vise 3, 4, 5 rouges qui va amener à 5 bleus. Et elle-même qui finira un mouvement en 5 daily. Et donc, j'appellerai 1. Grosse vague 1. OK? Grosse vague 1 daily qui marquera probablement la fin de toute la monde, enfin, la fin du cycle haussier depuis le bottom. Et puis, bien sûr, on se présentera pour acheter la correction de ce cycle-là. Ça, sans aucun souci. On voit qu'on a, bah, d'ailleurs, en daily, on a également en H4 plutôt, hop, activé un cycle haussier, d'accord, on a cassé le plus haut ici,
Donc c'est absolument parfait. On a une vague 1 ici, une vague 2 ici, qu'on peut appeler vague 2 parce qu'on a cassé le sommet de la vague 1. On vient casser le sommet ici, ce qui me fait voir un sous-compte, là, 1, 2, 3, 4, 5. Je repasse en une heure maintenant que vous avez vu à quoi correspond le compte bleu. Voyez que 1.618 du compte bleu, ça nous amène ici. Donc la potentielle vague 3 bleue a déjà cassé 1.618, ce qui élimine, ça n'élimine pas, mais ce qui fait favoriser un compte en 1, 2, 3, 4, 5 plutôt qu'en ABC. Si on s'était retourné dans la zone entre 128 et 139, eh bien on aurait pu faire WXY ou ABC sans aucun souci. La cassure de ça amène à projeter plus haut. Du coup, ça, je l'appelle une sous-vague 1, une sous-vague 2. Et on voit que la 1.618 d'extension de ma sous-vague 1, ça amène vers 146. Et on voit que bah, apparemment Dash là, il veut y aller. Ce qui ferait une vague 3, puis on attend une vague 4 et une vague 5 violette, qui elle-même donnera la vague 3 rouge, qui sera donc une vague étendue. Donc on ne short pas les premières divergences. Et puis après, je m'attends à un 4-5. Voilà. Désolé de retour, grosse coupure au milieu de la vidéo, donc ça a dû bouger entre-temps. Donc le dash, je crois que je l'avais fait, donc j'explique qu'on vise plus haut, au moins atteindre 151. Pourquoi pas pousser un peu plus, mais la target sûre, ça semble ça. EOS, j'ai toujours pas transféré le compte de Bitfinex jusqu'au reste, et comme la courbe n'est pas la même entre Bitfinex et les autres, vous voyez. Ça change tout. Sur Bitfinex, on n'a pas d'extension. Là, on a une grande extension. Donc, il faut que je revoie en détail si ça, on n'arrive pas à le compter en 5 pour faire 1, 2, 3, 4, 5, un peu comme les autres. Donc, EOS, on passe un peu. On a des targets sur Bitfinex de toute façon. Notre ami ETH. Notre ami ETH pour un petit refresh. C'est exactement la même chose que le Bitcoin Cash, où il fait un WXY, pourquoi c'est en double? WXY magenta, où il fait ABCDE bleu. D'accord? Sachant que tout est en 3, donc les deux sont valables à l'heure actuelle. On va bien sûr attentivement surveiller le RSI Daily, ici, qui en cas de pump, si on efface, enfin si on fait un nouveau plus haut, à mon avis, ça privilégiera ou le WXY ou alors un autre compte qu'il faudra voir avec une 3 étendue, mais ça on verra en temps voulu. À l'heure actuelle, il y avait une position de rachat ici, donc certains sur le groupe ont pu prendre. Personnellement, je ne l'ai pas pris parce que j'avais déjà assez de TH pris plus bas et je ne veux pas me surexposer. ETH, il a effectué plusieurs achats possibles. Il y a eu l'achat quasiment au bottom à 146 ici, de fait déjà. Ça, c'était un deuxième achat possible. Donc, vous voyez que ceux qui arrivent à cumuler pour l'instant, ben, ils se font plaisir. Hein. On voit, je pense, ceux qui se font plaisir sur voilà, les RE ETH, voilà, qui s'amusent bien. Bravo à vous. Donc on en est où? Donc là, ETH, qui est un peu, comment dire, pas perturbant, dans le sens où ETH, il fait pour l'instant que des mouvements en 3 globalement. Donc on cherche des mouvements plutôt de type correctif pour faire la tendance. Là, ici, on pourrait acheter ça comme une diagonale. Le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de divergence sur les petites unités de temps. Si ma mémoire est bonne. Vous voyez, on fait un plus haut RSI ici, sur le sommet de ça. Et on fait également un plus haut RSI. Il y a cette divergence ici, mais qui ne peut pas valoir pour tout ce mouvement-là. Donc, on n'est probablement que sur des mouvements correctifs là-dedans. Donc, moi, j'aurais bien mis un WXY comme ça. Là, on a un retracement un peu plus profond du RSI, ce qui pourrait faire le X rouge. Le problème, c'est que vous voyez, ça casse absolument pas de tendance RSI. On a quand même ici, sur le RSI, là, on voit qu'on a eu quand même ici une bonne cassure de tendance sur le RSI.
Donc, c'est pour ça que je mets le X rouge ici, là, dans cette case-là, qui était un rachat possible. Vous voyez, encore une fois, ETH très sympa, il est venu chercher pile 100% d'extension. Donc, pile le début de la zone d'achat, et boum, il repart, ce qui fait plaisir. Il a cassé le plus haut. Donc, il est toujours dans une séquence haussière. Donc, il pousse vers le haut. La target minimale a atteint les 225. La target. Ce qu'on risque de faire, c'est ça. Voilà, moi je verrais bien ça sur ETH, c'est-à-dire là on va faire un WXY, la target du premier W est 225, un petit X, et ensuite la target du deuxième W va être vers 243. Ce qui devrait du coup nous amener dans la zone target ici, là, cette zone entre les 243 et les 250, qui devrait potentiellement clore tout ce cycle. À voir comment ça va se passer. Hein. Vous savez que si ça se met à étendre, 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 le compte peut changer. En tout cas, on est en position sur ces zones-là. On a des targets de trade à prendre. Si on atteint 225, d'accord, qu'on efface un peu cette divergence qu'il y a ici, là, qu'il y a là. Si on pousse et qu'on arrive à effacer cette divergence ici, ça peut être intéressant d'essayer de racheter ce pullback contre ça. Attention, c'est déjà très haut. Les deux meilleurs achats, elles sont passés. Hein. Bon, ETH BTC, bah il va mourir, hein. Il va mourir. En fonction des exchanges, c'est cassé ou pas cassé le bas. Il va probablement mourir. Alors s'il casse le plus bas, s'il casse le plus bas, on peut envisager WX, Y, X, Z. Pourquoi pas? Mais j'aime pas du tout parce que. Ça m'irait bien de compter en 5. Hein. On voit bien qu'on a un plus bas ici et qu'on fait une divergence là. Là, on avait bien une divergence aussi. Bon, ouais, bof. Alors pourquoi je l'ai appelé WXY, vous allez me dire. 1, 2, 3, 4. Bon, on avisera, mais pourquoi pas un WXY, Y, enfin WXY, XZ, dans le sens où je vois mal ce dernier support-là lâcher, quoi. Celui-là, là. Celui-là, c'est vraiment le support clé de clé. Hein. C'est-à-dire que celui-là, je le vois mal, mal, mal lâcher. Hein. Donc, de toute façon, si on ne réagit pas là et qu'on vient casser ça, j'allégerai ma position pour pouvoir reculer mon stop qui est dessous là. Attention, j'allège ma position, ce qui fait que ma perte globale va un peu augmenter. Mais comme je ne suis pas très exposé, parce que c'est un achat de retracement et pas un achat de séquence, je peux largement me permettre de faire ça. En mettant la fin ici, définitivement. Parce que là, vraiment, si on casse ça, bon, bah, je veux plus regarder. Moi, j'avais beaucoup de conviction à acheter ça comme étant une impulsion, avec bien une correction en 3 qui a l'air assez jolie. On efface la divergence daily qu'on aurait pu envisager. En H4, on est comment? En H4, on est toujours bien, bien divergent, là, depuis ici, donc. Peut espérer finir là cette dernière vague en impulsion là et puis pousser hein, mais ça voudrait dire que TH doit démarrer et que le Bitcoin doit corriger. Donc ça commence à faire beaucoup de si, mais bon, c'est le trading, on élabore des plans et puis on voit après comment ça se passe hein. Le Litecoin, bon hier j'ai un peu modifié le compte mais je me suis arrêté parce que j'étais fatigué, donc il y a des petites incohérences du genre AB au lieu de 1-2. Il faut que je finisse ça. Globalement, le Litecoin, il est dans la zone de réaction qu'on attendait. Désolé, décidément, je ne vais pas y arriver à faire la vidéo aujourd'hui. Alors, je ne sais plus du tout, du tout, du tout où on en était. Il me semble que TH, on l'avait fait. On peut regarder XML qui fait plaisir pour l'instant. Donc, on était bienvenu dans la zone de rachat. Hop. On était bienvenu dans la zone de rachat. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, hop, voilà. On était bien donc dans la zone de rachat. Le stop loss a été remonté sous ce plus bas ici, compte tenu qu'on a fait au moins un ABC. D'accord? On a fait une montée en 5, une correction, et là on pousse pour faire une montée en 5. À mon avis, il manque encore un petit plus haut si on va voir sur le 15 minutes.
On a un pic RSI là, une correction en 3, toute propre. Personnellement, j'ai racheté voilà, sur le 100% d'extension ici. Donc ça fait pile là. Donc le stop loss est déjà mis à 0. TP1, 50% de retracement de ça. TP2, le plus haut. Et TP3, dans la zone là, je n'ai pas encore décidé. On verra quand la divergence va se former. Voilà, ça c'est du trade purement intraday. Hein. D'ailleurs, il y en a d'autres qui l'ont pris sur le Discord. J'ai vu, c'est parfait. Vous commencez à bien capter les stratégies de trade. Donc lui, il fait au moins un rebond en 3. Après, on peut espérer bien sûr qu'il pousse beaucoup plus. Donc pour l'instant, je l'appelle W et ABC. Mais j'ai quand même le secret espoir qu'on parte plutôt sur un 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Quelque chose d'impulsif. Mais bon, on verra en cours de route. On a bien une belle cassure de la trendline RSI. Sur le H4, tac, on a une belle montée du prix. Donc, je pense qu'on peut logiquement appeler la vague 2 ici, bien sûr, en gardant un biais boule, parce que si on prend un biais bear, on dit fin de correction ici, première vague de baisse, deuxième vague de baisse, troisième vague de baisse qui fait un nouveau plus bas. Si c'est ça le scénario, c'est pas grave, comme vous voyez, les trades coûtent déjà quasiment plus rien. Celui-là est sécurisé, celui-là, bah, avec les TP qui vont être pris ici, il sera sécurisé aussi. Donc voilà, donc l'achat ici, lui, il est pour viser beaucoup plus haut que ça. Hein. Donc c'est un trade qui est sans levier pour ne pas payer de fees de manière outrageuse sur certains exchanges. Donc la target minimale, c'est 0,15 hein, pour l'achat qui a été fait ici. Ok, pour l'achat intraday, bah, la target est là-dedans, d'accord, avec des sécurisations un peu plus rapides. Donc vous voyez, là, il faut adapter les TP à l'unité de temps qu'on trade. Ce que j'ai racheté ici, c'est pas pour le TP à 0,15, d'accord? Voilà, donc là, ça suit son cours, le XRP magnifique, magnifique du XRP tout craché. Je vous disais que c'était le phénix, hein, c'est-à-dire au moment où on croit qu'il va mourir, hein, il repart. Et bien voilà, au moment où on a pensé qu'il était mort, il repart, magnifique. XRP tout craché. Soit dit en passant, il semble quand même extrêmement correctif dans les structures, ABC. WX, enfin W, alors on reprend. Un W ici qui est formé d'un ABC flat, un ABC ici qui forme un X, c'est peut-être W, non c'est un ABC celui-là je crois, ou oui c'est un ABC, oui. Hop, là on a un W rouge, un X rouge. Hop, donc ce bottom tient, d'accord, donc il est toujours bottom clé, ça c'est du glitch, hein, ça n'existe pas sur les autres exchanges, et là bah, tente le démarrage, on voit que la target d'égalité d'amplitude elle a été atteinte, hein. Elle était c'était cette case ici, la target d'égalité d'amplitude c'est voilà du W ici elle est là, donc ben, j'espère que là maintenant il va se lancer et qu'on va aller chercher ces zones ici. Bon en tout cas pour l'instant je TP pas, le stop loss est remonté sous ce plus bas ici. D'ailleurs je pourrais mettre une petite alerte pour vérifier qu'il passe bien. Voilà. En live, et pour l'instant, on en est là. On n'a toujours pas de divergence, donc pour l'instant, on a toujours un mouvement qui est en trois vagues. À voir si ça reste. Voilà, XRP, il faut le laisser faire sa vie. Hein. C'est l'adolescent à problème. Hein. Quand vous pensez qu'il est fini, il rebondit majestueusement. Donc on le laisse. Je vais mettre une petite alarme quand même vers 1.618 d'extension, voir s'il veut faire quelque chose. Voilà, donc lui, laisse courir. Pour une fois que il semble motivé, ben on va laisser courir le trade pour voir où ça donne. Bon, on a à peu près tout fait. S'il y a XMR, je crois qu'on n'a pas. Encore coupé, désolé. Donc XMR, zone de rachat ici, il casse son plus haut qu'il y avait là, sous la forme d'une impulsion. Joli retracement en 3, qui n'a pas atteint 100%, qui s'est arrêté genre à 90%, ce qui a fait qu'on n'a pas pu le rebuy ici. Bon, tant pis. Et là, en une heure, il semble pousser. Du genre 1, 2, 3, grosse 4, parce que petite 2, et on pousse avec de la divergence qui reste en place pour essayer et bien de chercher la 3 rouge.
puis la 4, puis la 5 rouge, qui devrait potentiellement amener à la fin du mouvement. Enfin, à la fin du mouvement. À la fin de cette première étape du mouvement. Donc, ça, comme dit, hein, les impulsions, c'est vraiment le plus dur à analyser, dans le sens où les degrés peuvent s'étendre, sans souci. C'est-à-dire, on pourrait tout décaler d'un cran. C'est le souci des impulsions. À trader, c'est assez sympa sur les petits time frames, parce que vous avez un biais extrêmement boule, donc vous pouvez jouer les achats sur retracement sur les time frames inférieurs. Donc c'est pour ça que c'est agréable à trader, mais c'est dur à compter. Voilà. Et je crois que nous avons fait le tour pour ce point crypto établi.